Yo les chagas, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous informer que j'arrête YouTube. Voilà, après 7 ans j'en ai marre. Bref, du coup, à la prochaine. Enfin, à jamais en fait. Lol, c'était un prank. Bah oui, parce que en fait, si je mets en titre, ouais, changement important sur la chaîne, je dois vous parler. Tu vois, les gens ils s'en foutent, ils vont pas cliquer, tu vois. Donc, fallait que je mette j'arrête YouTube. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, peut-être ça. Vous serez un peu choqué, mais bon, bref. Sur les chacals, c'est Gros Bois d'Apouf. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses importantes à propos de la chaîne. Parce que ça fait longtemps quand même que je ne vous ai pas parlé en face à face comme ça. Voilà, ces derniers mois, j'ai plus fait des vidéos sorties comme ça en disant yo, ça va, tranquille, like. Et bam, tu vois. Mais bref, on va parler un peu plus en profondeur de la chaîne. Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, je trouve que je tourne un peu en rond. Et limite, maintenant, je prends plus de plaisir à tourner des vidéos pour ma chaîne ASMR que des vidéos pour ma chaîne principale, donc je trouve ça quand même un peu triste. D'ailleurs, allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne ASMR parce que je suis très actif et voilà, ça permet de vous endormir de manière très agréable. Donc bref, pour en revenir au vif du sujet, ce qui m'a saoulé un peu sur YouTube ces derniers mois, c'est que quoi? C'est que je prenais plus trop plaisir à faire des vidéos. Genre, j'étais toujours là en mode putain, faut que je fasse une vidéo pour dimanche prochain, faut que j'aille sur GTA pour me faire ban, putain, ça casse les couilles, tu vois. Mais au final, voilà, ça donnait quand même des bonnes vidéos, j'en étais content. Et d'ailleurs, c'était des vidéos de plus en plus longues qui duraient en moyenne 20 minutes et pour quand même pas mal de montage. Donc vraiment, il y a des vidéos, elles me prenaient 2-3 jours à monter, tu vois. Parce que moi, je les monte pas en un coup mes vidéos. Et bref, ça me faisait chier parce que je voulais quand même être un peu plus régulier au niveau de la sortie des vidéos. Et même au niveau des sujets, je me suis dit, bon, gros, ça fait 7 ans limite, tu fais du troll. Faut faire autre chose, tu vois, faut un peu, voilà, faut pas faire que ça, tu vois, ça m'a saoulé au bout d'un moment de toujours être là en mode putain, faut que je fasse une vidéo qui soit drôle forcément, et je peux pas faire autre chose, sinon les gens ils vont pas regarder, ils vont se faire chier, ils vont quitter. Mais voilà, au final je me suis dit, c'est pas grave, je vais sortir au moins une vidéo par semaine, voire deux sur ma chaîne principale, sur des sujets qui m'intéressent, genre le Bitcoin, je sais pas moi, top 3 de mes films préférés, tu vois, genre vraiment là c'est les prochains mois, les prochaines semaines, je vais vraiment sortir des vidéos plus courtes, pas tourner vers le troll ni vers l'humour, et voilà, ça va être des trucs que je kiffe. Alors ça veut pas dire qu'il y aura plus de troll du tout, mais juste que voilà, je vais sortir d'autres vidéos, pas troll, pas humour. Juste des vidéos comme ça. Je compte quand même reprendre Virage Ita RP, la série, parce que vous aimez beaucoup et même moi, ça manque un peu. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, soyez pas choqués si vous voyez des vidéos un peu hors sujet par rapport à ce que j'ai fait ces dernières années. Et voilà, qui sont pas forcément drôles et pas aussi longues que d'habitude. Donc voilà, bref, c'était pour vous dire ça. On va vraiment passer en période de test à partir de maintenant. Je vais tester vraiment, tac, tac, tac. Ça j'aime pas. Vas-y, je teste, je m'en bats les couilles. Et voilà, c'était aussi parce qu'au niveau du troll, ces derniers temps, les règles de YouTube se durcissent, ça devient un peu trop le monde des bisounours, du coup. Voilà, dès qu'il y a un peu trop de clash, d'insultes, ça part en moins de 18 ans, après il peut y avoir des strikes, bref, c'est fatigant. Donc voilà, je vais essayer de changer un peu. Bref, voilà, c'était pour vous dire ça. Réagissez en commentaire, je répondrai. Rejoignez mon Discord en description et rejoignez aussi la chaîne. D'ailleurs, un grand merci à Cold Aslava qui est un nouveau membre sur la chaîne. Merci BG. Likez la vidéo si vous avez kiffé et sur ce, je vous dis ciao bye Simer.